Eh bien bonsoir à tous, bonsoir à toutes, soyez les bienvenus, c'est le Lobo Dire, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je pète la forme aujourd'hui, puisque nous sommes le 24 décembre, et ce soir c'est une soirée un petit peu spéciale, puisqu'on se retrouve pour Test Épreuve saison 2, et ce soir ce ne sera pas une, mais deux épreuves que je vais tester. Une, la première qui sera bien sûr une épreuve qui n'a pas été jouée durant la saison 2 de Fort Boyard Ultimate Challenge. Et la deuxième, c'est une toute nouvelle épreuve spéciale. Normalement, c'est pour un spécial Noël, mais là, on a décalé pour un spécial Nouvel An. Donc voilà, écoutez, on va pas tarder. On va y aller, hein, vous savez quoi. Direction l'épreuve à prisonnière. À prisonnier, c'est mieux. Il s'agit, en plus, ça, c'est le bon thème. Il s'agit du, mince, du transformateur. Voilà, ça y est, c'est revenu. Oula, ça commence bien. Alors, transformateur, joué par Nyanya, qui a malheureusement été en prison parce que eh bien elle a perdu la torche. J'espère qu'aujourd'hui je ne vais pas la perdre pour pas me foirer, hein, voilà, pour pas être ridicule devant des centaines de personnes ou même peut-être des milliers. Et du coup, comme ça en même temps, je vais vous montrer quelques nouvelles portes qui sont à disposition pour ce nouvel an. Nous voici devant la cellule qui dure 3 minutes et 30 secondes. C'est faisable, je l'ai testé avant, mais voilà, c'est faisable. Bon, voilà, j'ai eu un petit peu de mal. Donc, le principe est simple. Il faut avoir une torche, traverser toutes les portes, récupérer la clé et refaire le retour sans perdre la torche. Sinon, c'est la prison. Alors, je vais juste vérifier qu'il y a bien la torche. Bon, il y en a trois, mais j'en prendrai qu'une. Ça, c'était l'ancienne, c'était en premier temps. J'avais mis 3 torches pour le candidat. Mais bref, on va y aller. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, alors, on prend une torche. Voilà, tout simple. Et on va essayer d'être concentré parce que c'est le but de l'épreuve. Il ne faut pas se précipiter. Voilà, hop. Et surtout, voir la direction de la torche quand on la pète. Hop là, voilà, comme ça. Comme vous le voyez, vous avez le chronomètre, normalement, si je ne l'ai pas oublié au montage. Voilà, comme ça, au moins, vous avez la preuve qu'il n'y a pas de triche, que je ne vais pas couper la vidéo pour, voilà, pour faire un jour, j'ai coupé la vidéo, ouais, j'ai réussi. Non, là, c'est vraiment du direct, j'ai commencé, voilà, ça part tout seul. Donc, voilà, allez, concentration. Ok. C'est bon. Là, vous avez, là directement, on a plombé. J'ai plombé l'ambiance. Parce que je suis tellement concentré, je veux pas perdre cette torche. Hop, ok, c'est bon. Hop. Tac, merci. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a deux types de glace. Une glace compactée et une glace bleue. La glace bleue, il faut faire gaffe parce que la glace bleue, quand tu jettes un objet, ça va beaucoup plus vite. Alors que la glace compactée, c'est normal, quoi. Donc, voilà, je vais pas essayer de tomber sur la glace bleue. Ok, donc là, c'est bon, je peux prendre la clé. Hop, et on va faire demi-tour. On prend la torche. Voilà, on va pas se faire enfermer. Allez, aïe. Hop là, voilà. J'ai oublié que c'est ici. Hop. Ok, pour l'instant tout se passe bien. Il me reste un petit peu moins de la moitié du temps. Non, un petit peu plus. Non, oui, un petit peu moins. Oula, c'est 1 minute 45 la moitié du temps. Donc voilà. On a fait un petit peu dans le temps. Voilà. On a pris un petit peu la moitié pour faire l'aller. Être un petit peu plus rapide pour le retour. Hop, oula. Oula. Ok, ok, c'est bon, je l'ai. Hop. Oh, j'ai peur là. Oh, j'ai peur. Tac, ok, c'est bien. Hop, je crois qu'il nous reste encore. Ouais, une dernière. Oh!
Oui, il était chaud celui-là. Oui, il était chaud celui-là. Ok. C'est bon. Alors, je vais pas me précipiter parce que je vois qu'il me reste plus beaucoup de temps pour la suite. Je vais pas me précipiter pour pas perdre la torche. Voilà. Hop. Tac. Ok, parfait. Hop. Mais ouh. Ok, le petit bug. Et hop. Et, ah, bah, ah d'accord, c'est la sortie. Ah oh, bon, bah ok, ben bah, voilà. Ben voilà, c'est fini. 22 secondes, il reste. Bon, ben bah, voilà. comment vous dire que c'est vraiment la première fois que j'arrive à réussir cette épreuve? Sans perdre la torche, bien sûr. Donc, bon, voilà. Cette épreuve a été réussie. Hein, voilà, si Nianya regarde cette vidéo, eh bien, voilà, je suis meilleur. Non, je vais pas me la péter. Donc, on va tout de suite aller vers une nouvelle épreuve. Il s'agit de l'usine à jouer. Et vous pouvez voir que cette porte, c'est une nouvelle. Oui. Alors, normalement, c'était pas pour un spécial. Ouais, c'est vraiment une nouvelle épreuve que j'aime particulièrement. C'est une première version. J'espère que la deuxième, quand j'arrive avec les bons moyens. Voilà, hein. Vous m'avez compris. Donc, nous voici devant la porte de l'usine à jouer. Une épreuve spéciale Noël, et puisque nous sommes le 24, elle n'est pas chronométrée. Non, elle n'est pas du tout chronométrée. Donc, c'est la première fois que vous allez me voir tester une épreuve. Comment je fais pour tester une épreuve? Comme je l'ai expliqué dans le Forbes Ultimate Challenge, toujours plus fort. Donc, le principe est simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais entrer dans la cellule et mettre un chronomètre. Donc voilà. Hop, je vais me préparer et top, c'est parti. Voilà. Donc, hop, le chrono est en marche. Voilà. Et on est parti pour réussir cette épreuve. Je suis obligé de réussir cette épreuve parce que sinon, si je la foire, bah, eh bien, c'est un petit peu dommage. Ouh là, le petit bug. Donc voilà, vous voyez que le chronomètre, je vais arriver, avance. Et le principe, j'ai oublié ça. Le principe de l'épreuve, c'est le torboyau. C'est comme le torboyau, sauf que là, eh bien, il faut, c'est un petit peu le thème de Noël. Voilà. Hop, on est un petit peu dans la haute du Père Noël. Voilà. C'est là qui range les cadeaux. Et en voilà un qui est piégé. C'est bien sûr la clé. Voilà. Allez, hop, parfait. Alors, tac, ça c'est bon. On fait demi-tour, voilà. On gagne du temps. Parfait. Hop. Tac. Alors, vous allez me dire que, ouais, c'est un petit peu facile parce qu'il y a un tapis. J'ai préféré parce que les candidats qui vont participer, je l'espère, pour ce spécial Nouvel An, sont pas très forts en jump. Voilà, je suis un petit peu gentil. Donc, voilà. Mais ça prend quand même un petit peu de temps pour récupérer la clé. Voilà. Hop, tac, voilà, hop, et on va récupérer le bloc de sable, et je pense que ça va être le dernier aller-retour que je vais faire, tac, tac, parfait, hop, on appuie, et normalement, si je sais bien compter, la clé est libérée. Parfait, voilà, donc hop, je prends la clé et je sors. Voilà. Et vous avez vu que je me suis mis en survie. 1 minute 46 secondes. Alors, dans ce cas-là, puisque j'ai mis 1 minute 46 secondes, je me suis dit, bon, les candidats vont avoir un petit peu de mal. Donc, eh bien, je vais mettre pour cette épreuve 2 minutes. Voilà, j'ai rajouté 14 secondes pour vraiment si. Voilà, s'il y a quelques droits à l'erreur. Donc, 2 minutes, je pense que ça m'a l'air faisable pour cette épreuve, voilà, hop, voilà, c'est un petit spoil hein, pour l'émission Fort Boyard Nouvel An. Donc voilà, mais j'espère quand même que vous avez apprécié cet épisode spécial Noël. Je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux Noël. Voilà, fêtez avec votre famille, mais surtout faites attention, prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau tuto survival, le Fort Boyard. Salut à tous!